recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est toute une série. Donc, aujourd'hui, nous voulons être connectés et focus ensemble avec nous. Amen. Donc, par le fait que nous avons parlé d'évangélisation et nous voulons que ça arrête en habitude pour nous-mêmes, à tout le monde qui l'a, ou qui gagne. Combien de nous qui gagne matin ensemble avec nous? Bible et téléphone intelligent. Nous avons Bible et smartphone. Combien de nous qui avons Bible et un smartphone? Nous avons tout le monde qui a Bible et un smartphone. Amen. Donc, les gens qui ont Bible et un smartphone, on va partager ce service là à partir du téléphone et on va prendre la Bible là pour vous-même. Amen. Donc, je vais demander ce soir matin ensemble avec nous, partager ce service là. Et on ne sait jamais, un monde qui sont et page Facebook, il y a 2000 personnes, il y a 4000 personnes, il y a 5000 personnes. Qu'est-ce que j'ai avec tout le monde? 5000 personnes. Hein? 5000 personnes, amis. Hein? Ok, donc, d'abdil et m'kwel, m'kwel comme ça. Jusqu'à présent, il y a des gens qui cherchent l'église pour y aller. Cap cherchant l'église pour servir bon Dieu. Moi son exemple, Et à ce moment nan temps ça, nan moment pam nan, pas de gain internet. Et c'est vraiment gros l'église yo qui était quand gain service disponible. À l'époque c'était TBN qui était très en vogue. Sous besoin garder en ligne, c'est sous TBN pour aller ou bien on aller sous l'écoute. Après ça, il n'y a pas de lien, absolument rien en ligne. Mais tu as un passage dans la vie, moi tu as un gros vide. Et l'homme dit nous ça à l'église, un gros vide. Et en réalité, je n'ai pas de problème. Pour ça, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de rien comme responsabilité. Je n'ai pas de rien sous compte moins. Au contraire, c'est bam, je suis bam moins. Mais moi tu as toujours senti un vide. Malgré que je suis avec Zamim. Malgré que je suis sorti, je suis hang out avec moi-même, mais moi j'ai un vide en dedans. Vide ça, c'était seulement bon Dieu qui était rempli et comblé pour moi-même. Donc moi j'étais à la recherche dans l'église, même pas de cajon dans l'église, parce que je suis une idée préconçue de l'église. Moi j'ai pensé que pour l'église, tout bagaille est changé ou pas, ou hors de société. Et jusqu'à ce que moi j'ai fait rencontre avec l'église, moi. Et l'église que moi, l'église que me convertis, que me baptisé, que moi vini leader, moi vini un pasteur assistant et pas jambier l'église ça dans film, c'est l'église lumière. OK? Et la radio lumière, église Church of Light. Donc ça c'était l'église que moi que mon Dieu t'ai fait rencontrer et je dis à moi garantir gain en multitude de monde qui cherchent l'église pour marcher, mais au pas qu'on a joindre. Donc, parmi 4000 personnes, 3000 personnes, ça, qu'on gagne sous par jour, qui ça lui utile ou 4000 personnes, ça, eh bien, utile ou même, utile ou, pendant qu'on a cohérent, dis-moi qui beaucoup la cohérent dans le sens que, ou pas qu'à partager un service, bon Dieu, ou pas qu'à partager. Yon verset, ou pas qu'à partager yon bagay qui sorti de Dieu, et puis tout de suite après, ou partager yon banalité, yon tintin, yon stupidité. Vous comprenez? D'ailleurs, moi, réalise qu'en pile monde, c'est ça qui fait yon pas arriver loin dans la vie, parce que yon pas cohérent. Amen. Et bien, à partir de aujourd'hui, on nous cohérent. On nous inspire moun. L'église. OK? On nous inspire moun. Donc, partager service la matin, et automatiquement, fin partager li. Mes téléphones de côté. Néanmoins, si vous avez des versets que vous avez écrit là-dedans. Est-ce que vous avez dans notre PAMNA? Notre PAMNA était vraiment interdit pour mon téléphone. Vraiment, de pouvoir mon téléphone, garde donné à venir pour un téléphone dans la main. Ok? Bon, vous avez là, et temps évolué, gain moyen que vous mettez note dans téléphone ou gain moyen ou li bible dans téléphone mais fais sûr que c'est ça qui aura fait vrai parce que li grave pour t'acheter non service et puis c'est sur WhatsApp vrai dit très très grave donc combien de nous qui partagent service là déjà il y a seulement 10 monde wow
Wow. 10 moun seulement. Wow. OK. Comme c'est moi qui dois partager, ça va être trop important pour même. Donc on a nous regarder ça bon Dieu dit. OK? Comme nous regarder ça bon Dieu dit, on va aller dans Matthieu chapitre 28 verset 19. Matthieu chapitre 28. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bien, maintenant, bon Dieu, tu partages ce service-là. Quand on va regarder combien de nous qui partagent ce service-là sur la page. Combien de nous? Amen. Donc, nous respectons, bon Dieu, nous respectons. Pas un problème. Amen. Oui, je tiens à nous parler de évangélisation, nous allons continuer avec ça. Et m'a dit que nous t'avons parlé. Et question que Ndame pose aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est important pour nous continuer à évangéliser? Est-ce que nous pensez que c'est important? Bien sûr que c'est important. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus important qu'avant. C'est beaucoup plus important que génération PAM dans moi-même. Pour qui ça? Parce que n'entends pas maintenant le m'a parlé le mettez maintenant l'âge où l'homme de gain 16 ans l'homme de gain 17 ans pas de gain toute distraction ça toute distraction ça pas d'exister et vous avez plus capacité pour plus moyen pour te focus sur l'ou appeler bibou pas de gain question que l'ou appeler bibou gain notification cap déranger au téléphone pas de gain toute addiction ça dans téléphone. Seul. D'ailleurs, c'est monde qui était gain moyen qui était gon téléphone parce que on carte et voilà, il t'a coûté 300 gouttes. OK, on carte voilà dans mon qui coûté 300 gouttes, il y aurait l'eau minute aller ou reler minute aller. Et me songer l'on on carte qui gain 300 ou qui on carte 300 gouttes ou goumer pour te ca fort et on moi. Ou gérer gain appel ou que sauter. Donc ça veut dire l'ouvre bibou pas qu'on distrait pas de toute bagaille ça sur YouTube c'était CD et l'esprit non penser non il pas sale dans niveau que penser jeune yo sale à l'heure actuelle à travers l'internet. Donc c'est pour me dire aujourd'hui à les plus important toujours pour nous évangéliser pour nous aider des frères et des sœurs des monde qui dans l'âge aujourd'hui a qui t'a donné connaissance de la vérité parce que la Bible dit assis là qui connaît la vérité va libérer assis là qui connaît Jésus en d'autres termes Jésus va libérer libérer de qui ça libérer en bas joug esclavage courrier a grand pile dans nous esclaves parce que la Bible dit assis là qui cap commettre des péchés yo c'est esclave péché ça. Donc assis là tout qui fait face qui fait face avec la vérité qui c'est Jésus et bien qui ça qui a privé yo mon ça va il va libre. Donc c'est pourquoi nous devons continuer à évangéliser. Ça c'est une raison. Mais moi veux dire une raison qui est beaucoup plus important hein, c'est parce que c'est un commandement. Dis monde qui beaucoup tout là, c'est un commandement de Dieu. Yeah, c'est un commandement lié, il dit moi ordonner nous pour nous aller par tout le monde. Quand on allait dire aller par tout le monde, faire de toutes les nations des disciples. Donc on a qui ça bon Dieu dit à chaque côté au rivé ou gain possibilité pour parler de lui-même parce qu'il dit allez par tout le monde et faites des disciples. Ensuite il dit les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dis monde qui beaucoup là ça c'est mission. Amen. Donc, ça c'est mission, ça veut dire, ou bien un devoir pour inviter un monde l'église, ou bien un devoir pour inviter un cousin l'église, ou bien un devoir pour inviter une cousine, une soeur l'église. Et je me souviens, je me dis, un bel exemple qui est réel dans l'église là. Une soeur l'église qui est là, madame, moi fait 2 ou 3 ans, la paix et invité l'église là, 3 ans. Côté l'ANC, je me dis, tout à l'heure. Bonjour Elensi. Madame fait 3 ans l'a invité l'église. 3 années. Chaque temps madame a une possibilité li croiser avec l'on studio, madame m'a dit moi invite l'église jusqu'à ce que li vini là et li tout rete l'église là. Amen. Donc ça c'est mission que gagne. Donc bon Dieu dit comme ça si là qui obéit, je va manger plus bon fruit. Amen. En pile fois, ou gen tendance, ou gen l'esprit ça, c'est prend, mande mon Dieu. Mais ou pas jamais
penser à dire bon Dieu comment moi ca utile ou très peu de nous dit ça le matin et moi ma pouvon parenthèse m'a fait une rapide ou même qui frustré ou même qui sent trop abattu ou même qui sent trop stressé ou pour avenir pour même ou que toutes sortes de choses qui passent dans la vie m'a bon ça comme technique lever un jour matin ou lui a prié bon Dieu de problème ou de soif vivre de soif sentir dit bon Dieu m'ta mais moins utile aujourd'hui. Bon garanti, je n'ai pas passé différent. Et automatiquement, on dit, bon Dieu, mais utile ou pas ton baquet magique, bon Dieu, pour le frapper sous tête ou pour utile. Qu'on a automatiquement fini dit ça. Lors sorti de yo, à titre d'exemple, comme nous toujours, les gens de Mounsa, ou on marche une figue avec eux, qui ont on chose à terre, ou juste prendre ou aider le mettre sous tête. Ou là, qui sont faits? Ou aider bon? Bon Dieu, parce que il dit, moi prends plaisir avec moun qui a aidé, à aider pauvre. Ou continue dans même prière là encore, ou monter sur internet, ou combattre qui kan encourager au moun. Moi bon garanti, ou va sentir vraiment mieux que tout jour qu'avant. Et bien je dis à nous suspend demander bon Dieu, mais nous en nous eu utile bon Dieu. Parce que la Bible dit une foi sans œuvre est une foi morte. Là, c'est pas une œuvre qui est morte, mais c'est une œuvre qui est réelle, qui est productive. Donc, bon Dieu dit, moi voulais ou utile moi. Et comment on peut être utile moi? C'est en prêchant la parole de Dieu. Et c'est pendant que vous-même moi pouvez que soit prêché à travers la vie. Donc, il y a deux bagages, bon Dieu dit nous, c'est prêcher et puis baptiser. Dis-moi qui beaucoup de là, prêcher, baptiser, prêcher. Baptiser. Mais baptiser, c'est pas non pas, mais non nom bon Dieu. Well, il dit, hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, maintenant, même avec nous, avons un commandement et ceci pendant fin année, ça. Fais sûr que vous venez avec minimum 5 moun l'église. S'il va venir dans le refuge, dis à l'église qui pi près là. Il n'est pas obligé de l'église au refuge. Amen. Mais sous senti que ou ka kembel comme yon compagne, fait le venir ensemble avec. Mais où doit parler au monde de bon Dieu? Parce que, tenez bien, grand pile dans nous pas connaît pour qui raison Jésus-Christ pas venir. Nous avons une raison. Hein? Raison simple. Moi pas dit li, moi pas penser li pour une révélation. Li écrit dans la parole, bon Dieu. Bon Dieu dit, moi pas qu'on vini. C'est parce que bonne nouvelle, moi, hein? Pas qu'on prêche. C'est la simple et bonne raison fait Christ pas qu'on vini. Bonne nouvelle là pas confine prêcher et me songe m'd'a dit on l'aim d'a fait blague ça avec Peterson qui sorti bombade va vrai côté monsieur bombade son côté qui tellement loin on pas veut dire là dans live là pour mal offenser monde m'grande bail blague sur monsieur m'dit Pete quand ça passer ou fin marié m'bra l'équiper m'a prendre même avec mange m'a voyer nous bombade dans l'ouvon l'église au refuge je dis oh passer m'pas aller donc jusqu'à présent gen moun qui très loin, qui n'a pas autant de bonnes nouvelles là. Donc c'est pour la simple et bonne raison que Jésus-Christ n'a pas arrivé. Mais il est clair, il dit prêcher la bonne nouvelle. Et puis baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont difficiles pour venir à l'église, mais ils apprennent quand même. Par exemple, chaque fin d'année, nous avons un service de Noël. Service de Noël que nous faisons chaque 25 décembre. Et nous avons code de couleur qui c'est rouge et blanc. Et en passant, pourquoi ça me donne des interdit pour les gens qui ont ça à peine l'église? En passant, je ne peux pas comprendre ça. Jusqu'à présent, je me suis dit que les bons chrétiens ont fêté Noël et Djaboué. Ça, c'est Djab qui fait pied bois. Hein? Lumière. Et Djab, où est le gars des pieds sapins, Win Samuel? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ouais? Il va dans la Bible, non? Moi-même qui dis. Pour qui sont les gens pas là? Saison Noël, l'exprimer l'amour, le partage. Amen? Tout le monde qui est beaucoup là. Merry Christmas. Amen. On applaudit bon Dieu.
OK. Donc là, nous avons un commandement hein, qui dit nous aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Mais qu'on est là à l'église, comment qu'a prêché bonne nouvelle ça? Et bien, songer pendant la semaine là, j'ai dit moi tourner les actes parce que actes des apôtres moi maintenant mort moi maintenant pile en pile. Chaque temps moi les actes des apôtres, il réveille l'esprit parce que c'est sur la puissance démonstration de l'esprit. Donc là nous regardons Matthieu chapitre 28, il dit allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Ça c'est un commandement. Et nous songer dans Jean, la Bible dit Pierre, Jean, Nathanaël et tout reste monsieur. Ils ont pas fait ça. Suivez-moi bien. Bon Dieu dit à nous tous et avec monsieur, il dit monsieur, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Voilà l'église. Soit m'a prêché là. D'ailleurs, attendez bien. Ouais, soit m'a prêché là matin, c'est essence l'église. C'est mission l'église. C'est rôle et c'est devoir l'église. Dites, attendez bien. Si on l'église, pas évangéliser, il pon l'église. Et sous chita là, ou pas comprendre importance pour parler de bon Dieu ou chirer parce que lui dit n'est pas de monde qui vivait dans la société côté des personnes importantes qui ont dit qui est sur y moi-même on va honte de vous-même parce que là on l'église n'est pas prêt à aller plus loin. Si l'église là, leader yo, membre yo, pas comprendre ça. Et l'église est inexistant, c'est pas une évangélisation. Et chaque jour, il y a une possibilité pour évangéliser. Et Florence, il y a un paquet de monde ici. Vous voyez comment vient l'église là? Parce que il y a un monde là, on X moon qui était partagé album dimanche l'église là. Ça c'est une forme d'évangélisation. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Satan utilisait toile internet là pour lui mettre l'esprit nous, pour ça l'esprit nous. Et bien si l'on qui aime bon Dieu ou qui a utilisé même internet ça pour gagner des cœurs et des âmes. Et grand pile, attendez. Si Nora te ka pran temps pour la juste li kon fiche puis nous poste ça même combien moun qui écrit nous juste à partir de un partage que ou fait ou bien sous page l'église là. Et actuellement c'est un outil qui très fort et me souviens ça d'où t'a dit ça pendant COVID-19 là au lieu t'a un paquet moun qui chutait un paquet moun qui rentrait dans corps Christ là. Mais je dis à vous, outils dans main qui c'est internet, qui c'est Facebook, utilisez-le. Donc si on partage, bon Dieu, l'arrivé dans la société, si on partage l'église ou eh bien en d'autres termes, où on bon Dieu. Et dans Jean, il dit ça. Il dit si on parle de moi, moi-même, je ne peux pas camper pour moi-même devant papa. Je ne peux pas capable. Je me souviens j'ai 2 ans de cela, je prends un exemple. Nous toujours faire sûr pour nous update page Facebook. Nous. Côté nous l'école, côté nous faire primaire, peu de nous-mêmes dit dans quelle église nous marchons. Quand dans la primaire, il vient dans le secondaire, et chez les sœurs, ceci, cela. Ah vrai? Mais il dit que dans l'église au marché,
Ou pas j'en ai plus le monde qui dit ça. Ça fait ça. Un sentiment d'appartenance que vous pas gagné. Et sentiment d'appartenance ça, le jour gagné, même l'autre aller loin, bon Dieu, vous avez tourné quand même. Parce que cœur, c'est un temps profondé dans le cas de Christ là. Donc, pour moi, tout le monde, ça m'a expliqué, nous, hein? Bon, Jésus était un disciple, mission ça. Et nous, Jean, Pierre, Nathanaël, et tout l'autre, ils étaient une mission ça vague. Dans Jean, nous, ils étaient allés dans l'activité. Qui s'est fait? Ils étaient allés pêcher, ils étaient allés toute l'activité. Ils étaient vague. Mais une question ou même avec nous devons poser. Pour ça, monsieur ça a été abandonné mission yo. Commandement ça appelle ça. Eh bien raison hein, li simple et li trouver les vérité a. Dis moun ki pa kontou vérité a. Li trouver dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Ça, c'est une répétition. Ça, c'est une répétition. Dans Matthieu, Jésus dit, monsieur, parce que à même mon il était parlé dans Matthieu, ça avait la parlé là encore dans Acte. Dans Matthieu, il dit, vous serez mes témoins. Voilà, il dit, monsieur, on a passé. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que, et pas même ça, ce qu'il y a là. Mais la seule différence, c'est que l'idée, monsieur, pour efficace, pour des résultats, pour des transformations, il faut que vous receviez cette puissance qui est le Saint-Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, pas qu'il y ait un résultat, pas qu'il y ait une transformation. Amen. Donc, monsieur, chutez. Parce que lorsqu'il était à Pelle ou qu'il était Woutou ou chutez. Parce que monsieur était disciple bon Dieu. Automatiquement, Jésus-Christ mourit, il est retourné dans l'activité. Là, dans le chapitre, ça, la Bible dit, Jésus obligé, après sa mort, fait apparition pendant 40 jours pour parler avec monsieur. Elle dit, monsieur, comment ça passé? Pour nous efficaces, il faut que nous recevions le baptême du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Delma, à Pétionville, Carrefour, Plaine, tout côté passé. Parce que, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, la Bible dit, pour prêcher, pour évangéliser, il faut que vous receviez le baptême du Saint-Esprit. Et nous allons qui s'écrivait pendant que monsieur vient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons fait lecture ça pour même dans le chapitre 14, toujours dans Acte chapitre 1. Il dit, tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Et nous parlons d'un bagage qui extraordinaire qui vient d'arriver. Qu'on est dans verset, dans Acte toujours, verset, dans Acte chapitre 2. Mon petit Jean vraiment mal à l'aise là matin. M'appelle dans Bibou Nono. Nono me sale Bible net pour, ok. Et m'appelle dans Bible là que vraiment pas habitué. M'oublie Bible moi.
OK. Non non, pas fâché, hein? Bible a très sale, mais crampil, en pile petit bois, en pile flèche. OK. Et non verset. Non non, m'a prendre Bible à vrai, non. Bon sac belle dans Bible qui devant non, moi verset 8, dans l'autre page là moi verset 4, m'a ouais chapitre. Non non, page là. Regardez, m'gen verset 8 et puis une page qui est à droite moi, m'gen verset 4. OK. Quand la Bible dit OK, non, c'est sûr c'est chapitre 2. Chapitre 2, la Bible dit et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là Noé, monsieur qu'on est là, il vient recevoir le baptême du Saint-Esprit et monsieur vient gagner la puissance du Saint-Esprit qui dans la vie. Et nous allons dans Actes qu'on est là, chapitre 2 toujours verset 41. Actes chapitre 2 verset 41. On dit Actes chapitre 2 verset 41, pas vrai? Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Tenez bien, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta. Et ça nous est là. S'il dit ceux qui acceptèrent la parole, te gagnons un moment d'évangile. D'évangélisation. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, nous, clairs, Matthieu Noé, sans le Saint-Esprit. Et le nous dit sans le Saint-Esprit, il faut nous préciser, sans le baptême du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être efficace. Vous ne pouvez pas être capable. Vous êtes un chrétien ordinaire. Dans le baptême du Saint-Esprit, on prend un chrétien qui est ordinaire, qui est très respectueux, qui grandit dans l'amour, qui est très patient. Et même, il y a les fruits de l'esprit. Mais avec le Saint-Esprit, non seulement il y a les fruits de l'esprit, mais il y a la puissance. À celui qui rejette le baptême du Saint-Esprit, ou juste être un chrétien ordinaire, ou pas inspirant, mais avec le Saint-Esprit, ou pas un chrétien qui est ordinaire, ou une puissance là dans la vie. Donc, le fait que monsieur recevra le baptême du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, verset 4, il dit, hein, et dans 41 alors, il est clair, nous avons 4000 personnes qui convertissent. Et dans Actes chapitre 4, verset 4, nous prenons le travail, Saint-Esprit, hein, dans Actes chapitre 4, verset 4, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, qui sont encore là, et évangélisation. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Eh bien, si vous croyez, c'est parce que vous attendez un bagage. Donc, l'Éclair dit, le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Non tant record. 8000 personnes qui étaient convertis. Attendez, 8000 personnes dans temps ça, et pas connait la planète là, tout le monde ça, non? D'ailleurs, attendez, l'église primitive t'a gagné la moitié de la population. Et bon jouette. T'es moi prendre pour l'église primitive, si à l'époque t'a gagné 10000 personnes qui t'a vivent, et bien t'a gagné 5000 personnes qui étaient convertis. Donc vous quand imaginez non temps record, il y a 8000 personnes qui accepte Christ. 3000, 5000, ça va 8000. Et bien, je dis à l'église, son honte pour l'église. Son honte. D'ailleurs, son honte pour l'église de refuge. Dis-moi qui va retourner là, son honte. Pour qui ça a son honte? Si, non tant, si, attendez, pour qui t'as 8000 personnes qui acceptent bon Dieu, et bien, je dis à, t'as supposé qu'il y a des gens qui viennent dans le carrefour en bas. Est-ce qu'elle fait sens pour même? Non, mais attendez, t'as supposé qu'il y a des gens qui vivent en bas. D'ailleurs, moi-même, je fais job, pam, non. Et une n'a pas qu'on est, ou il y a plus de possibilités pour prêcher que moi. Amen. Avec moi, nous avons fauté.
Bon, un jour bagaille. Si chaque petite jeune fille qui chita là, nous vient avec ménage dans l'église là. Chaque petite jeune fille qui chita là. Il a contrôlé combien de nous payons ménage. Avant de suspect. Non, mais sérieusement. Vous ne pouvez pas venir avec ménage ou l'église. Je vais juste prendre un exemple. Ça. Chaque petite jeune fille est venue avec ménage. Nous avons obligé de mettre un speaker en l'air pour créer l'autre moyen. Ça va intéresser. Ou juste pas intéressé avec des choses comme ça. Ou juste pas intéressé à venir à l'église. Ou juste pas intéressé à parler au monde de bon Dieu. Pour ça, 8000 personnes acceptent Christ. Raison simple, premièrement, parce que monsieur était gagné et était recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et deuxièmement, il était important pour eux-mêmes parce que connaissaient un commandement lié. Sous monde parler de moi-même. Moi-même, je ne peux pas camper pour moi-même. C'est belle. L'homme dit au monde son chrétien. C'est belle. L'homme dit au monde Christ dans la vie. C'est belle. C'est belle. Le moi met toute couleur dans les cheveux. Et puis Christ en dedans. C'est belle à mort. Il y a tout le look, tout le style. Et pour que Jésus en dedans, à la belle, ça belle. Mais il rase. Chevaux toutes couleurs. Mais tout jean à la mode. Il y a un seul jean sur un bouton sorti dans le genou, arrivé en bas. Il y a un jean ça. Il y a un moi-même. Et pour pas avoir Christ dans la vie. Il est belle, il est laide, il est inquiet. Pour pas. Non, mais sérieusement. Et pour pas un Christ dans la vie. Li belle, il y a tout style ça, tout look ça, puis il y a un bon Dieu don. Et puis n'importe qui pas qu'à venir approcher parce qu'il y a une lumière là dedans. Et ça fait, attendez, c'est ça fait là vous pas jamais qu'à un sens, ou pas jamais qu'à un ou pas stable parce que vous faites tout style yo. Chaque style qui arrive ou fait, mon pas un Christ en dedans. Le fait que chaque style ou fait, ou pas un Christ en dedans, ou mon gars tout genre de nèg qui checko. Qui va cotiser. Moun ki remon li koutize ou, moun ki pa bezon li cheke ou. A prêcher bien là. Mais sérieusement, tenez bien, lorsque cette puissance qui est le Saint-Esprit, ou gen look ou, bon Dieu pas interdit moun faire look. Bon Dieu interdit l'homme mette look là en premier. D'ailleurs, c'est ici, mri, dernièrement moun moun kap lapide madame mouen. Bonne de lapide. Et puis on ça me remet mais ça me remet moi ça qui a passé ça me remet la plapide madame moi et puis les mal sous page li église moi bagaille que j'ai pas que j'en moi pas tout ça me remet c'est parce que malgré mon n'a vivre une vie l'aide sale il dit mon bon Dieu spécial mais qu'on a malheureusement pour lui il pas un gros cœur parce qu'en pile fois nous même en Haïti nous penser bon Dieu a une seule catégorie monde ni remet. Bon Dieu pas regarder sous parure extérieure là, mais il regarder sous cœur. Mais pendant que il regarde sous cœur, pas oublier, ou pas jamais mon Chinese, ou pas jamais mon américaine, ou pas jamais mon française, ou pas mon haïtienne. Est-ce que il fait sens pour? Mais matin l'église, pendant mettre toute bagaille soit mettre sous roi, soit gain le Saint-Esprit vraiment comme un partenaire. Ou bien tout style garçon qui courir après et c'est des monde qui utiliser. Mais l'on fait ou belle ou prioriser relation avec bon Dieu. Donc ou bien lumière là dedans. Moun nan li pa ka vin approcher ou comme ça. Parce que ou bien une lumière qui en dedans. Donc qui ça li utile aujourd'hui pour venir l'église. Et pendant que y a un commandement qui dit non, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle et faites des disciples. Pierre et Jean étaient recevoir parole ça et étaient recevoir le Saint-Esprit
deux messieurs ça seulement t'ai gagné 8000 monde qui t'ai accepté Christ. Et bien l'église c'est moment pour nous grandir. C'est moment pour caillou servir bon Dieu. Maman mérite venir l'église. Papa mérite venir l'église. Frère mérite venir l'église. Et seulement qu'à venir l'église, c'est évangéliser de par comportement et de parole bon Dieu. Son mission que nous gagnons et son obligation pendant 2021 ça. Nous allons entrer en 2022 ça pour nous évangéliser. Inviter au monde l'église, parlons au monde de bon Dieu. Tendez de bon Dieu, lis de bon Dieu parce que ou pas cap offrir un bagage que ou pas gagner. Comment on peut faire évangéliser sans qu'on n'y ait absolument rien dedans? Non, faut qu'on ait bon Dieu en dedans et faut qu'on parle de bon Dieu et faut qu'on parle de petit tout de bon Dieu. Ou tracasser tête ou trop pour faire petit tout plaisir pendant que vous parlez parler avec de bon Dieu. Est-ce qu'on a son bib pour petit tout ou même qui chita là matin? Est-ce qu'on parle avec petit tout de bon Dieu? Est-ce qu'on corrige? Est-ce qu'on fait comprendre ça que bon Dieu a? Ou bien nous juste amuser nous dans la là? Et sans que nous pas utile, bon Dieu. L'église, moi-même, m'a échoué. Si moi-même, moi, parfois, comprendre que les ont importance et ceci ont importance capitale pour même avec mes évangélistes. D'ailleurs, l'église là, et toute l'église, nous sommes vivant une période qui est très difficile. Et l'église a pris frappe depuis l'année dernière, sorti dans COVID-19, arrivé dans le jour du dimanche que nous avons parlé là. Le n'est pas COVID-19, c'est l'insécurité. Le n'est pas insécurité, c'est un problème carburant et frais machine. Vraiment, wow, un pile monde pas de l'église, je pas habiter dans zone yo. Donc un pile dans nous là nous déconnecter. Et grand pile dans monde tout qui réellement déconnecté. Mais seulement pour chaque monde qui a reconnecté, c'est pendant que on a évangélisé. Témoigner Christ. Parler de Christ. Faire un monde connaître Christ. Amen. On nous lit rapidement avec. Alors, on a continué de préférence. Maintenant, et Acte chapitre 4, verset 4, okay, qui dit qu'il y a 5000 personnes qui convertissent. Hein? Et nous allons aller dans Acte chapitre, et toujours Acte chapitre 4, verset 8. Verset 8 dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ouais, pour comprendre ça, faut me quitter à lire Acte chapitre 1er, rivé dans 4. Et où pour aller? Pour aller, Bibou. À l'île pour Conto. Ouais, le fait que Pierre dit, ouais, nom ça, qui campait devant là, qui guérit, c'est par le nom de Jésus-Christ qu'il a été guéri. Là seulement, la vie de Pierre doit tout fini. Parce que, il était interdit, Pierre, ainsi que l'autre disciple, puis il était cité nom Jésus. Par contre, Pierre campait face, yo. Pierre dit, ouais, non, je suis guéri là, je suis guéri dans le nom de Jésus. Est-ce que je me verset ça déjà, hein? Côté, tout le monde qui va goûter là, réveillez-vous. Salut, Chiline, sur ça. Amen. Ok, est-ce que je me verset ça? Mais voyant l'assurance de. Je ne sais pas si je verset ça, pour ma prêcher. Hein? Oh, ça va passer là. Ok, tu me le bon. On nous dit, RDS. Acte chapitre 4, verset 13. Comment me fait parler? Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre. Et puis, regardez, Pierre était hardi. Dis-moi qui est là, hardi. Un monde qui est hardi, son monde qui parle, c'est lui intimidé par n'importe bagaille. Et bien,
Gamaliel et oh nèg te dit monsieur ouais moi mettez nous en prison et te calé nèg en pile yo dit ouais la prochaine fois nous dit Jésus-Christ c'est-à-dire non seulement m'a emprisonné nous m'a mutilé nous par contre Pierre dit ouais nèg ça qui guérit li guérit dans nom Jésus. La pierre angulaire rejetée, en parlant de Jésus-Christ, c'est dans nos noms ça, M. Guéry. L'église, est bon jouet, non? On dit, bah, petit, non? Et M. Batka agit contre Pierre, parce que dans Actes chapitre 13 et 4, verset 13, et Actes 3, verset 13, il dit, lorsqu'il virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Un, les gars étaient hardi. Deux, instruction. Pas des monde qui vraiment formé. Je dis à travers la Bible, bon Dieu utilise ni monde qui formé yo, ni monde qui pas formé yo. Nous gen et Paul comme un gros exemple. Donc yo te gen assurance. Te gen hardiesse. C'est intéressant. Et à cause assurance ça, tu pas qu'à faire rien. Verset 19. Verset 19, hein? Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Amen. Pierre dit, monsieur, pas gain absolument rien qui a fait pas évangéliser. Parce que moi, pas qu'à obéir. M'a obéi bon Dieu qui m'a mis un commandement. Et cet commandement, il n'est pas l'autre bagaille. Aller partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Ma bon témoignage. 2-3 ans après conversion, zélé, passionné pour bon Dieu. À l'époque, t'es gon CD qui rentre sorti chaque année. T'es le wow, volume 1, volume 2. S'acheter pour acheter. M'a pas acheté wow. M'a pas acheté des David Hillsong. Songez. T'es un chef direct moi dans Nations Unies, pas j'ai oublié les Bojraj Rushman. Il était un musulman, franc musulman. Et puis il m'était rentré dans le travail là et puis il était dit c'est musulman lié. Il m'était dit moi même moi c'est chrétien. Et puis avec hypocrisie, il était souri ban moi. Même pas j'ai me suspendre afficher foi dans le travail moi. Le matin avant 8h parce que me dernier vie bonheur. Avant 8h, je suis allé sidi Hillsong moi. M'a attendé, m'a regardé vidéo Hillsong, m'a prié en langue, m'a édifié, rien pas distrait. Il y a deux bagages qui étaient importants dans vie dans moment ça. C'était relation avec bon Dieu et puis moi avec ménagement pour nous te grandir. Nous t'étais en marié. Yeah. Et puis m'étais amusé m'a poulé, m'a regardé vidéo Hillsong sur ordinateur. Et on l'a, il est rentré dans le bureau, sans permission, sans rien. Il a juste pris un écran, ordinateur dans le viré, en face de lui. Il a dit, je regarde là. Je regarde, ils sont un groupe qui est intéressant. Et bien, je parle avec le bon Dieu. Et puis, il a regardé avec un air qui est vraiment drôle. Et à partir du jour ça, il a commencé à me la vie difficile. Je me contente seulement de me toucher. Pour le travail, je suis un petit monde qui parle dans l'école primaire, je ne connais pas le forêt cité. Je ne vais pas démissionner parce que je connais des madame pour me prendre soin. Si je ne vais pas madame pour me prendre soin, j'ai l'impression de démissionner. Monsieur Abom, toute la vie difficile, je connais qui existe net. Et une chose qui était plus compliquée, je me songeais parce que je suis dans 3 mois, stage moins, pour me prouver la capacité. Je ne vais jamais oublier ça. Un jeudi, je suis en réunion avec les SMT. Bah, j'ai oublié ça. Dans la réunion, ça, tu as
et ministre la justice, te gen comment il est nom ça André Sol et secteur PNH, on réunion qui sur la sécurité pays. On ça me fait carrément. Moi c'est un technicien. Ça va réunion, on ça le fait. Je dis carrément, me vaut dans réunion ça. Et aller dans réunion et puis m'attend nous, bah ça. Puis là moi viens dans réunion l'église. Ça t'a pas tué, tu gen chef monsieur qui c'est chef moi tout. Pas oublier non toujours. Monsieur était dans réunion. Moi ni quoi monsieur dans réunion, me dit que me perd du job moi là monsieur. Comment me fait dire me perd du job moi? Parce que sous table à l'église, chaque monde faut ou parler, faut ou dire un bagage. Première fois mal dans réunion, pas ni pied ni tête l'église. Et yo vinn rivé sous question problème communication. Bon Dieu toujours fait grâce. Dis moun ki bokouto la, bon Dieu toujours fait grâce. Yo rivé son problème communication qui grave cap nuit yo parce que à l'époque, té gen radio communication les Kodan et té gen radio qui est Barrette. Barrette c'est technologie que ministère té kan utiliser. Donc nèg yo té toujours un problème communication, yo pa jam ka rentre en communication parce que Barrette là il est important pour yo même. Dernier moyen de communication, c'est toutefois Gisèle qui a tombé. Et puis, lorsqu'il est sur table, il a parlé, il a parlé de ça. Et le bon Dieu fait grâce à l'église, c'est juste step in. Et puis, il me dit, n'est-ce pas, j'ai une proposition que je vais faire. Il me dit, qui ça? Il me dit, mais qui problème, Barrette la gain? Parce que c'est UHF lié. Donc, à cause de couche de nos sphères là, et Haïti, superficie, elle est très petite, chance pour moi, tout notre travail, avant, c'était passion, non? Je dis, maintenant, tranche d'heure, l'envoyer signal là, il frappe dans la couche de nos sphères là, au lieu de tomber en Haïti, il tombe en Jamaïque, il tombe dans n'importe quel pays, dans l'Antille. Donc, si nous utilisons tranche d'heure, ça, nous ne pouvons jamais rentrer en communication. Donc, pas de raison pour nous retirer Barrette, c'est mon problème, Barrette, c'est une question de couche de nos sphères. Et puis, tout le gêne que fait, hein, et puis, je dis, bouge rage, ouais, hein. L'église me fait un point. La réunion finie et Bouchard, qui c'est ton Canadien, le vin côté, monsieur dit, good job, monsieur dit, content pile. Il dit, il y a 2 ans là, goum avec et tout le système là, pour ne pas retirer Barrette. Puis le me retourne, il y a un petit bougeage quand tout le monde est passé. Monsieur, je ne vais jamais finir ta guette, moi. Et je ne jamais suspendre jouer. Et si dit moi gon le li dit comme ça au jeu bagaille ça trop moi dit comme ça m'a continuer jouer li tout autant que c'est pas dans heure travail pas trop pour bon Dieu on camper pour bon Dieu camper pour moi-même évangéliser dans façon que capable trop stupidité des bagailles futiles qui pas utile ou rien pour poster sous statue. Pas besoin que le sang de Jésus bio non pour évangéliser. Donc pas quelle façon que on ca évangéliser. Bien souhait matin que vie les son message. Dis monde qui beaucoup de là que vie son message. Ou doit intègre l'église. Ça c'est une forme de message. Ou doit gon ligne, ça c'est une forme de message. Monde entier trop pas qu'à parler de bon Dieu ou poster toute bagarre qui pas utile en rien ou gain langage monde là ou pas gain langage Christ. Amen. Nous afficher nous représenter le royaume céleste là bien, représenter l'église là bien, représenter moi bien et me toujours dire ça moi goumen pour me représenter bien. Le premier monde qui est important pour moi c'est bon Dieu. Après ça, c'est vous-même. Est-ce que je dis à l'important pour vous-même, pour évangéliser bien, pour représenter bon Dieu bien, pour représenter l'église là bien? Allez, même, et mon le refuge, ou même qui habite de Delma 19. Ah, mon le refuge, il faut le consacrer. Ça doit finir. Amen. Parce que chaque action ou commettre qui n'est pas normale, ou décourage mon entrée bon, l'église. Allez par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle. C'est pas une question d'interprétation, mais tout dans l'église, c'est ambiance. Jésus-Christ pas retourné, c'est parce que bonne nouvelle là pas qu'on prêcher. Et la bon Dieu pas voulu nous prêcher mauvaise nouvelle. Comment on a prêché monde?
accepter Jésus. Si nous pas accepter Jésus, fiel nous a pété. Ça sont mauvaises nouvelles. Sont mauvaises nouvelles. C'est parce qu'on pas inspiré du Saint-Esprit, mais vous recevrez une puissance. Pourquoi j'aime donner des messages ça. Ouais, cheveux dans ta tête. Et pour fiel ou péter, ça c'est vraiment de mauvaises nouvelles. Allez tout acte des apôtres. La puissance du Saint-Esprit et puis la bonne nouvelle. La puissance du Saint-Esprit, la bonne nouvelle. L'Église, quittez la parole de Dieu, faire route. Jeudi, qui c'est 6 décembre, 5 décembre, on nous bat tête nous ça comme une mission pour nous inviter mon l'Église. Combien de nous qui voulons inviter minimum 10 personnes pendant moi ça à l'Église? Et si elle prend vivre dans l'église, dit que j'ai deux rendez-vous que j'ai invité. Et je garantis pas pour regrette. Nous avons un service de Noël qui fait chaque 25 décembre, ainsi que service de fin d'année. Et nous sommes sûrs que tout le monde remet à l'église chaque fin d'année, chaque 31 décembre. Invitez au monde l'église. Amen. C'est une mission et c'est un commandement. Amen. On applaudit, bon Dieu. Hein? Ou c'est membre Église Le Refuge, ou c'est un fidèle abonné Église Le Refuge sous différentes plateformes internet et réseaux sociaux liés, ou remet vision l'Église là, ou t'as remet aider nous à aller plus devant, eh bien, message ça, c'est pour. Grâce à la nouvelle technologie, information et communication, nous avons pile plaisir pour nous présenter trois nouveaux façons pour nous aider à offrir. Ou bien toute participation, si vous avez même venu en donateur pour aider non seulement à continuer à propager la parole de Dieu, mais tout permettre nous avancer avec différents projets. La première façon, c'est dans le cash app, dans le numéro 609 551 1106. Deuxième façon, c'est dans mon cash, dans le numéro 509 31 75 21 39. Troisième façon, c'est dans PayPal, dans l'adresse Église Le Refuge Haïti à commercial gmail.com. Nous comptons sur vous pour nous rappeler promesse de Dieu faire dans Proverbe 3, verset 9-10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes biens. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Et puis, pas oublier, à l'unisson, bâtissons notre refuge.